Au lendemain du succès de Piotr Wadecki, la 6e étape de Paris-Nice 2001 était un contre-la-montre individuel de 10 km entre Nice et le Col d'Aise. À 16 secondes de Peter Van Petegem au classement général, l'Italien de 27 ans, Dario Frigo, de la formation Fassa Bortolo, gagne l'étape avec un temps de 19 minutes et 53 secondes. Il devança son équipier Rumsas de 27 secondes et le Portugais Acevedo de 41 secondes. Ainsi, Frigo, 7e du classement général de Paris-Nice en 99 et 9e en 2000, prend la tête du classement général la veille de l'arrivée.